Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush, nouveau portail. Donc le portail c'est tout simplement l'anniversaire de Ace en 5 étapes. C'est quoi comme Ace? C'est Ace de... C'est un type défensif. Un type défensif bleu, point ardent. Il soigne. Il attaque de loin. Et on va voir ce qu'il donne. De toute façon, il me fallait un perso de type défensif. Donc, on va faire le cycle en entier. On verra ce que ça donne. Il soigne, il met aussi un bouclier. Il renvoie les dégâts. Il frappe de loin. Donc, on va faire un petit truc. On va retourner là et on va analyser un peu le perso. Donc celui-là, tu ne l'auras pas. Qu'est-ce que fait cette attaque? Donc, fait apparaître un bouclier qui interrompt les déplacements et les attaques des ennemis. Des attaques ennemies à courte portée. Le bouclier se dissipe après un certain temps ou en encaissant une certaine quantité de dégâts. De plus, restaure les PV des alliés dans un certain rayon de courte portée. Quantité à 384 HP, PV de bouclier 150% des PV max. Durée de l'effet du bouclier 20 secondes. C'est très très cheaté. Croix de feu. Donc on va directement sur charge complète. 90 de dégâts sur une brûlure d'une seconde. Ça dure combien de temps? Donc la charge se lance en appuyant longuement sur le bouton de la compétence. En relâchant le bouton compétence, la charge s'arrête et une attaque se lance. Lorsque la charge complète est atteinte, l'attaque qui se lance change. Il y a un effet anti-déséquilibre qui se déclenche pendant un certain temps après l'activation de la compétence. Inflige en plus une brûlure à partir du niveau 5. Inflige des dégâts en moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon. Donc dégâts de zone et dégâts à longue portée. Ça va, c'est cool. Donc, on va partir invoquer sur ça. On va faire le cycle complet en espérant au moins pouvoir le monter niveau 80, 90. J'espère avoir de la chance. Allez, 3, 2, 1. Allez. Ok. Pas d'animation. Peut-être une fake, hein. On pourrait avoir un petit fake out. Baggy qui apparaît deux fois d'affilée. Tashigi. Ok, Kalbaji. Don Craig. Don Craig. Miss Wendy. Wednesday ou je sais pas quoi, bref, vous m'avez compris. Usopp. Oh là là, les vieux persos qui me sortent aussi. Zoro. Morgan. Oh là là, la première multi, elle fait peur, hein. Elle fait peur, la première multi. Donc. Ouais, ok. Ok. Donc, 10 000. Donc, perso 4 étoiles garantie. Qu'est-ce qu'on va voir? Ok, donc ça promet pas quelque chose de fou. On va avoir un perso 4 étoiles garanti, mais un nouveau perso, ça m'étonnerait. Sur ce jeu, je me fais énormément shaft, c'est incroyable, non? Est-ce que ça va vouloir le coup? Les gars, s'il vous plaît, lâchez-moi un maximum de pouces bleus, soutenez-moi, parce que là, en ce moment, je me fais grave défoncer par les portails de One Piece Bounty Rush. Donc, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir un petit peu, un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça m'aiderait parce que là, réellement, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Donc j'ai qui? Wow, le vieux perso. Enfin, c'est un bon perso, mais je pas ça. Allez. Plus que 3, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. Yes! Yes! Ok.
Mon qui dit le fille. Voilà la Kobe. D'ailleurs, ils nous ont toujours pas sorti de nouveaux Kobe, hein, des 2 ans plus tard. Ou même du film. Alors, on a quoi? Ah, oh là 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 là, c'est mauvais ça. Ah, ok, ça fait un doublon, mais c'est dommage. Oh, le petit bug. Peut-être un deuxième perso. Peut-être. Non, ça m'étonnerait. Tashigi, Usopp. Là, je crois que c'est le dernier. Non, non, j'ai rien. Donc, je passe niveau 70. Ah, c'est tendu. Bon, on sait qu'on va avoir le perso à la fin. Oh là là, pas de perso. Ça fait mal. Bon, là, j'ai 4 étoiles garanties sur celle-là. Kuro. Sanji. Oh là là. C'est mauvais, ça. C'est mauvais. Encore Sanji. Nami. Baggy. Oh là là. Iguma. Ils nous sortent des persos qui datent du lancement du jeu. C'est incroyable. Ils ont pas honte. Chopper. C'est quoi encore ce perso? C'est quoi encore ce vieux perso? Il se fout vraiment de moi là. Bon, on sait qu'on va l'avoir maintenant. Bah, ça me fout le seum. Ok, bah je crois que là j'en ai deux du coup. Nami. Sanji. Franky. Ah, j'espère en avoir deux, s'il vous plaît. J'en peux plus là. Brooke, j'allais dire Franky, n'importe quoi. Oh là là. Kurobi. Ça me fait 3 nouvelles unités. Dans un doublon. Un perso qui passe 70. Qu'est-ce qui me sort le perso de. Oh là là. Ok, ça m'en fait 2. Un doublon. Impeccable. Enfin, impeccable. Je le fais passer 70. Ils auraient dû me faire ça dès le premier truc là. Oh là là. Ça me fout le seum. Un petit doublon, c'est cool, c'est cool. Du coup, on va aller le monter. On va aller récupérer toutes nos récompenses. Du coup, on est ici. Passer à niveau 70. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, on va le monter. Il y aura un petit test gameplay du personnage. Bien évidemment, même s'il est que niveau 70, là on va le monter et test gameplay plus tard par la suite. Hein. Alors il est où? Ok, c'est pas mal. On le monte niveau max. Et là niveau max aussi. Je vais le tester en off. Je vais bien analyser le perso et tout. On va voir ce qu'il va donner. On l'augmente à fond ici. Je pense pas que je puisse le monter au niveau max, au niveau des stats, dans le boost de perso. Donc on va faire ça. On va faire ça. Et on fait ça. Je pense pas pouvoir le monter au max, hein. Ouais, déjà là, j'ai même pas les trucs suffisants.
Non, même là, j'aurais pas assez. Du coup, on équipe les pièces. On va prendre quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pièces. Par total de grade, donc les meilleurs, ils se trouvent en haut. Faut que je refasse des pièces, mais j'ai trop la flemme. Donc on va faire ça. On va juste garder ça juste pour le test. Et du coup, on va analyser ça en off. Et je vous prépare la vidéo dans la même journée, bien sûr. En plus, je l'ai monté niveau 76. On va faire un double test, du coup. Par contre, je vais juste la monter niveau 3. Parce que réellement, le perso me donne pas trop envie. Il va juste me servir de défouloir à n'importe quel moment. Du coup, je vous laisse sur ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais partir en off direct, le tester. Et du coup, on se retrouve dans la même journée, bien sûr, pour tester le personnage. Sur ce, ciao, prenez soin de vous. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de venir me suivre sur les réseaux, de venir sur mon Discord également, qui est dans la barre de description. Sur ce, ciao, peace, prenez soin de vous.